Majorité présidentielle autour de la Nouvelle-Orléans de plus de 100 députés nationaux. Le ministre Vital Kamerhe, Julien Paluku, Jean-Lucien Boussa et Tenu Kankou, leaders des principaux regroupements politiques au sein de la majorité, ont lancé, vous le savez, mardi 23 janvier dernier à Kinshasa, une alliance regroupant plus de 100 députés nationaux sur les 500 qui doit composer la nouvelle Assemblée nationale, justement, depuis de quelques circonscriptions électorales qui doivent être dont compléter certains éléments. Cette initiative interne à la majorité s'est vue ouverte à toute adhésion selon leurs initiateurs. Officiellement, l'UDPS, les partis présidentiels, ne s'opposent pas à la formation de ces nouveaux blocs. Vous avez su peut-être Augustin Kabouya à ce sujet. D'aucuns parlent de l'idée de Vital Kamerhe de vouloir s'imposer déjà pour dire j'ai la majorité, nous avons la majorité, nous devons avoir des postes importants. Donc décider sur les différents postes politiques dans notre pays. Alors, nous allons essayer de nous entretenir à ce sujet. Nabandeko Basana Bisso, Bandeko Balandia, Radio Liberté Kinshasa et Sengweza Ponabisso Akuta Nabino Baike, Tukubeta Lisolo, il y a regroupement à Boebia Solo, va combien en haut PCR. Quelqu'un m'a dit, mais comme on va être cacasserie, avec une petite histoire de PCR, c'est compliqué. Prince Kinana, bonjour. Bonjour, Ndeko Bonheur. Merci pour la présence dans la Tongwa. Merci vraiment. Mbote na bande kotoali na bango na plateau. Nande kwali na technique na pesi bango bango. Junior Kassanda. Junior Kassanda. Bah, auditeur, il y a 98.6 MHz, na pesi bango mbote. Tika, tope sa mbote na nkumu ya ekolo. Le Deus Soli, le chef de l'État. La haute autorité politique de la nation, Fissanto Kechilombo. En qui nous réitérons notre soutien. L'allié sincère et fidèle de Christophe Mosoko d'Ampanga les cours sous son room de Ousex Machinal, le 8e fois réélu député national, c'est un record. Nous remercions toute la population des Kenge territoires. Il y a Nani, vous dites Christophe Mosoko est l'unique Congolais à être élu 8 fois député national jusqu'à ce jour. Avant Machine à voter, bah, stratégie, monsieur, vous avez qui, hein? Non, vous savez, à l'époque, il fallait qu'on convaincre toute la population. D'abord, la configuration, la première commissaire du peuple, il fallait battre campagne à travers toute la province à l'époque, avec une configuration à Grand Bandundu. Il y a eu à cette époque-là 500 000 de voix. Jérôme Tepesakaï, chance à côté d'un bureau politique à MPR. Il avait compris qu'il avait un poste sociologique et aussi un poids politique important à apporter. Et bien, il y a gestion et à ces schools d'heureuse mémoire. Alors, ma bandi était la mitouna na yo kopé sa biso. Doué ma kopé sa biyano oye ko convaincre ma auditeur ma koyo kabiso peto éclairer lanterne ya maye ko le kambo. Rapidement, le léopard de la République démocratique du Congo qualifié pour la 8e de finale, c'est ça? Oui, oui, 8e de finale. C'est quand même bon, parce oui. Qu'on croyait que nous serions véritablement des touristes. Nous félicitons les touristes. Nous sommes des touristes et le gros là-bas, nous sommes à l'Obaki. Nous félicitons les Européens, malgré que le Congolais est venu à l'Obaki, tout le qui n'a seuil. Tout le qui n'a seuil. Trois signes qu'on ne pouvait pas envoyer. Mais quand même, c'est une réussite, vu que tout le qui n'a pas un souci à la tournoi. Nous demandons à l'entraîneur Yako Bongisa, Yako, pour finir la technique, nous sommes à cette étape. Voilà. Mais il y a un bémol, dans un pays ou dans une ville où ceux qui matchent au Bétama, toute la moitié de la ville est dans le noir. C'est stratégique, hein? En tout cas, on n'accompagne pas les grands événements de la République démocratique du Congo. Mais Batinda a battu dans la ville. Je vais vous donner certaines révélations. Dans l'événement, mieux ce que le ministre de la Bouga la Bisso, ce n'est pas la capsante. La francophonie, le chef de l'État n'a pas de terrain, match à football, basketball. Courir Tatana TV5 à Loba, on va pour Loba. Ce qui est lié à la prestation de serment Tata Mondo Ecole, je vais sauter. Au moment où la télé, la télévision, on va pas côté, parce qu'il n'y avait pas du courant. Mais dans la salle de banquet, le chef d'État est dans ses déplacés à qui d'ailleurs, pour fêter ensemble avec Félix Tshisekedi, courir Tatana. La semaine n'humilie pas seulement le peuple congolais, lui qu'on décevoir dans la peuple était, même le premier d'entre nous subit des humiliations par rapport à la SNEL. Donc, là, le signe vient à la tête. Hein. Non, il y a manque d'une vision claire et manque d'un programme de relance pour notre SNEL et la SNEL. Ceux qui dirigent
na destiné à y a entreprise Rwanda ou il y a entreprise de souveraineté d'État. Bazali n'a pas stratégie, t'es Bazali n'a vision, t'es Bazali n'a programme mon côté où on va présenter pour que dans le monde de ce qui va prochainement. Non, t'as les matchs t'es. Moi la terre qui matchs t'es, y a pas été score dans souk. Oui, quand on va où Jérusalem. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre le risque, vous savez, de commenter la personnalité publique côté les magasins là-bas. Dans le commissaire, ils ont décidé de recouvrir un nombre d'attentes de la voie de l'eau de l'eau de l'eau. Oui, donc la risque est là de m'en convoiter. Par contre, c'est un parti non violent. Quel parti non violent? Et si des partis non violents de Guaraï? Même les matins, ils ont dit que c'est un nombre de bonnes et de bonnes et de bonnes. Merci beaucoup, Ndeko Prince Kinana. Alors, je préfère prendre Ndeko Serge Taboko. Il y a décidé parce qu'on parle de vous. Bonne santé à Papa Fayulu. Tout bien, le présent, il est toujours présent, lui, malgré. Oui, oui, c'est... il est toujours été le présent, Eli. Attends, prends la balle au pays. Permettre d'abord de remercier une fois de plus pour l'invitation. Merci beaucoup. On a remercié également Zambé, c'est grâce à une lettre aux amis Awa. C'est ce que dépend qui n'a pas été allé passer. Nous voyons dans un pays où tous les indicateurs sont rouges. D'être au bas à la outil qu'on a Bertrand a outil qu'on légalise l'administration de la routure et de la boucle à l'étranger, a nommé l'administrateur du territoire. De l'autre côté, on va fêter. Et même si on a top Congo, pour va déconner qui sont Miki. Attends, c'est ce que je veux dire. Talangana, malheureusement, c'est le Congo qui est humilié. C'est le Congo qui est humilié. Merci beaucoup par rapport à Antoine Otoni. D'abord, hier là, je l'ai sali. J'étais là, tout ça, qui n'a président de Congo. Dans le contexte, vous avez bien présent, le lot. Pour ma première réclamation, il y a aussi l'idée. Non. Ma première réclamation, il y a noté. Et que si la Moukolo a organisé de bonnes élections, oui, moteur Kobima, c'est-à-dire dans un processus qui sera inclusif, où les résultats qui sortent des urnes seront opposables à tout le monde. Mais au bout de ça, ça s'appelle. Donc, on ne pourra pas remplacer Fayulu dans. Non, ce qui m'entendu beaucoup dit. Non, c'est-à-dire lui, il a la légitimité populaire. En sociologie politique, c'est pas tout le monde. Hein, en démocratie, c'est la majorité qui donne leur voix. Pour Kambabango, destiné na bango. C'est comme ça. Maintenant, le groupe Moga Batuba Sangani va utiliser l'armée, la police, la milice pour va conserver le pouvoir en cours. Ça ne s'appelle pas élection. Il ne faut pas souiller votre conscience. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit. Est-ce que il y a le quoi monsieur Azam mais ça madame? Ah d'accord, bon, je c'est que venga il cherche ta beaucoup personnellement. Quand j'étais encore trop petit, ben n'importe ta couleur là-bas, j'ai adoré le football, la bande Kobeta, n'azaye que tout trop capricieux. Ce qui me souvient aussi, bah spécialement dans les bas, ce qui est le bloc Kobeta, n'azaye Kobeta, donc Kobeta fort, des fois on dit que bien. Mais dans la troisième des humanités, tant que tu veux que c'est dans le qui a porté le mouvement du christianisme, dans l'église de Mané Kosambe, là, c'est pas important que vous la combo église. Et que vous avez qui m'a dit que vous avez satanique. Alors, malgré que vous avez compris que vous avez que c'était pas ça, mais si vous avez l'esprit, vous avez l'esprit, donc je me donne. Est-ce que vous avez un peu avec la tête? Nous avons, il y a ce qu'on appelle, il faut faire la différence entre
si j'ai où ils allaient, il y a intérêt privé, il y a chaque groupe, na bah si j'ai allé intérêt général. Au moins une des tous en cas par exemple Boatangai, dans le Bakango, dans le passé, j'ai soutenu Félix, j'ai soutenu Papa Tshisekedi. Tout ça est commandé. Mais pour vous répondre, ce qui Congo, ils allaient la compétition et nous ils allaient intérêt général. Attends au Congo, attends musique, on est loin de comment ça qu'on bête pour l'intérêt général. On peut pas même la Bible nous a dit que une maison divisée ne peut pas gagner une bataille. Donc le peuple congolais se cherche encore, l'âme congolaise n'est pas encore retrouvée, l'identité collective n'est pas. Au moins neuf bateaux à Balouan. À part facteur technique, aspect technicité, à part bah, moyens financiers, bah, côté moyens matériels ainsi de suite, il y a aussi la dimension métaphysique. Même les soldats ont besoin d'ango. Le mot basenga kaba, peut pas soutenir. Et ça dit cette dimension là, ils allaient congolais allaient souffrir d'ango depuis des années tirées. Merci beaucoup. C'est gros bazo car ce moment des assos bachebi, au moins bateau bini kuna beto. Alors, des petits esprits qui pensent comme ça, et au moment qui. C'est-à-dire le peuple, même dans la catastrophe, c'est mieux qu'on va le faire une artillette. Il est le premier sportif. Non, il n'est pas le premier sportif. Parlez de sportif, Wana. En démocratie, il y a un peu de la médiocre, Wana Tendeko. Dans une démocratie, le premier, le souverain, c'est le peuple, ce n'est pas l'individu. Félix Ningazana, il a ce qui m'a fait faire l'obit en récupérer le Péron Mounaé à cause de la servité. Ce n'est pas premier. Merci beaucoup, pasteur Serge Taboko. Je rappelle qu'il est communicateur décidé de Martin Fayolo. Nicopolin Poutou, Boni. Très bien, Mbote Ndako Bonheur. Bino, il dépêche, il va se mettre à GFC dans ses. Bon, ben, t'as banni ba Moussinzo et tout ça. C'est pas un problème. Là, c'est si le plan contenu, t'as bête à dissolu l'ango. J'aimerais quand même. Oranda match, Lobby. N'a tenu qu'à la fin avec Oranda. Oranda match. T'es qu'à la personne. Bah, quoi débattre en Gambote. Allez. Notamment, Pasteur Taboko, à qui j'ai dit je souhaite meilleur vœu. Merci par exemple. Mbote na ba Kongomani, surtout ba Kinois ou ba Lingaka, ces championnats. Félicitations na ba Kinois en particulier, ba Congolais en général, et aussi les membres de tous les partis de l'Union Sacrée et de mon parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS Tshisekedi, pour na Bolingo ou ba Lakisaki, mokolo ya samedi, vis-à-vis ya ndeko na bango. Moi, Nana Bango, Papa Nabango, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai dit félicitations. Félicitations également à l'équipe et à l'organisation, équipe et à presse, RTNC, presse présidentielle, coup de chapeau. Vraiment, vous aviez prouvé à la force du monde que l'Afrique est en train de porter une nouvelle robe. Félicitations là-bas. Nous disons encore merci à tous les diplomates, les présidents africains de l'Europe, des États-Unis, qui avaient pris part. Vous voulez parler de la légitimité, c'est justement une réponse. Sandi dans ça des martyrs. Donc, Bakongomani surtout, Balandaki, c'était ici, sur ce plateau, il y a un certain jeudi ou vendredi, la semaine passée, où tu as lancé qui appelle. Bakongolais, Balaxi Penzaki. Félicitations à Gaïa, la 11 léopards. Ah, moi je suis fort du message. J'ai passé une nuit dans une joie immense parce que c'était le Congo. Au Tadibali. Natal, mais je suis congolais.
J'étais ravi de ce ce qui me dépasse, même chez mon grand frère là, papa Nagai me disait, mon fils, l'essentiel c'est le bonheur. Mon père me disait, mon fils, l'essentiel ce n'est pas ce que tu feras dans ta vie, mais ce que tu feras de ce que je t'ai fait. Mais l'essentiel, tout pouvait na ba congolais ou batikale na Congo, province que mboka eza moko. Na fati beto, ay fati beto pa benga ki bango juste après mat. D'ailleurs, kutu, na ngana na ko benga yesu su père tema, vient na ngai. Abi so va se qualifier ko kende. Donc il est en train de se préparer avec la première dame. Pour vivre que dimanche, je vais à la stade. Le premier sportif du pays. Le premier sportif. L'homme qui aime ce pays en tout cas. Talakaka. Alors, merci infiniment, Miko. Paul Mputu, je rappelle que le de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS détient. Aujourd'hui, c'est toujours détient ce qu'il dit. Oui. Augustin Kabouya na bousse. Ah, on a les gardiens du temple. Mais parti, c'est à Tchenji Sekedi. Ok. Bon, le l'autre dans la présidente, il y a des pèses d'Augustin Kabouya, va bépéter. Il dépèse de Sekedi. Je répare Augustin Kabouya. Ah, on peut préciser bon. AK-47. Tout ça au Bika. Au bon, aux apostes. Aux armes, tout ma casse. Non, sage. Aux armes, tout ma casse. Aux armes, tout ma casse. Je crois, Robert Koumou, aux nominations. Aux armes, tout pété. Je crois, Adolphe Amissi, des ordonnances. Mais Robert Koumou, je crois, le bâtiment. Tout ça au Bika. Alors, on va parler du thème principal de l'émission. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Merci à vos invités, à mes invités ce matin, qui ont analysé le tout premier sujet. Nous avons parlé de l'EPAR. Alors, Neko Prince Kinana, dans l'entourage du président de la République, certains qualifient l'initiative portée notamment par Vital Kamerhe d'agitation. On a dit, selon même RFI, un membre du cabinet de Félix Tshisekedi a dit que c'est la course du positionnement, la course au positionnement. C'est la course à qui veut être chef du gouvernement ou président des institutions. C'est de la sérancheur. Est-ce que vous avez un mot dans ma cambo? J'aimerais que vous commentez cet aspect, cette réaction d'un des membres de l'UDPS, considérant au-delà de la position officielle d'Augustin Kabouya. On considère d'agitation, initiative à Vital Kamerhe, Nabatoyon, Soyons Kotangao. D'abord, comment vous, parce que vous ne faites pas partie de ces regroupements, Binon a CRD, parti d'Abinon, on a un regroupement. Boyambi information à Boni Boni. Ils allaient à selon les bandes de Kouba Lobiawa, qu'ils allaient agitation, ils allaient course au positionnement, tous ils allaient s'enchaîner autrement. Merci beaucoup. J'aimerais dire au pasteur Taboko que quand il fallait contester les élections, avant de contester, c'était pas dans la première parce qu'il est troisième. Il était en train de contester Abimata deuxième. Avant de Katumbia du Colonaïe. Donc il ne peut plus être appelé président élu. Ce débat sur les élections a été déjà clos du fait que la Cour a légalisé les résultats donnés par Denis Kadima. Il a parlé de la promesse que le chef de l'État sera dans la campagne, que si au moins il y avait une moindre escarmouche, il va convoquer le Parlement pour faire usage de l'article 86 de la Constitution. Mais ça, c'est d'abord pour bien savoir qu'on est en programme de campagne. L'unique fonction étatique où elle continue encore, même après épuration à Bamanda, c'est la fonction pendant la République. Au regard de l'article 70 de la Constitution et le bas, qui le chef d'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un autre chef d'État élu. Mais le député, l'article n'a pas fonctionné. Or, pour déclarer la guerre, il faudrait que, à la note d'autorisation, l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour l'Assemblée, on trouve le député national. Donc, il s'agit de réfléchir à l'âme au lieu de bas. Il dit qu'il faut la légitimité populaire, c'est faux. Ça, c'est faux. La légitimité populaire aujourd'hui, celui qui l'a, c'est Félix Tshisekedi. C'est une adhésion massive du peuple. Après les élections, ça a contesté à Denis Bakuda et au marché. Il a eu que 10 mineurs. À sa vie publicitaire, les bambous sont tout le monde en haut. 10 mineurs avec des machettes. L'adhésion populaire, il a voulu qu'il y ait un Benagi qui se soit mis en bas et il y ait un BKO. Après, il y a mis à la tête. Si Félix a l'adhésion populaire, il a tiré au défi.
a déclaré, je n'ai vu le mort, mais papa, le fait c'est un sujet d'Adao Salaya. Tout à l'heure, il va te battre. Saïd Ouré est devenu un mythe, il est conjugué au passé. Aujourd'hui, l'opposition n'a plus de place, elle est en perte de vitesse. Batoubalini, Fatih, Babouini, il a encore fait l'accompagner. Pour répondre à votre question, Boutine Gobondin, parce que j'ai un homme qui a lié Maman Alikambo, j'aimerais dire à nos auditeurs que Christophe Mosoko, dans Pomme à l'écoute sous son nom, c'est lui le coordinateur de l'Union Sacrée. Il préside toutes les réunions sur instruction et autorisation du Deus Soli, le chef d'État Félix Tshisekedi, qui est la haute autorité politique. Et le rendez-vous quand même la salle, dans le bien à l'angle PCR, pacte pour un Congo retrouvé. Mais la ligne a droit à la barre à Bossala. Nous ne pouvons pas interdire aux gens de signer, former ma association là-bas. Mais il faut rappeler que les signataires, il y a chaque réunion sacrée, ils allient parti politique, regroupement politique, personnalité politique, et puis les associations. On ne retrouve pas la dynamique Mogodoni. Le haut de Gogamé et Bazali, ce sont entre eux, mais ils ne sont pas membres effectifs. Et là, on a la PC, ils allient membres effectifs en tant que personnalité morale dans quatre réunions sacrées. On ne retrouve pas cette dynamique PC et là, signataire, il y a charte T. Donc, ça n'inclut nullement l'Union sacrée. Là, c'est la dynamique Mogodoni. J'aimerais justement maintenir dans ma hausse au bas. Peut-on dire aujourd'hui que l'Union sacrée appartient à l'histoire? Non, c'est faux. Parce que l'initiateur de l'Union sacrée est vivant. Celui qui a donné cette vision, il est vivant. Il est à disloquer dans l'Union sacrée. Une majorité dans une majorité. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Quand vous parlez de cette, d'une majorité dans une majorité, de quelle majorité vous parlez? Parce que ils veulent faire. Non, les gens se sont unis pour une cause au Baron Bayébé. D'abord. On verra parce qu'ils ont charte dans Baron, ils ont ouvert une adhésion. Il est fort possible qu'on puisse voir plus de 40 députés. Ils se réunissent pour des raisons de fait. Il n'y a qu'une seule majorité au Baron constaté. Et il y a des partis politiques qui ont compétit ça qui, quoi qu'il y ait une élection, mais dans qui signataire, il y a ça, il y a l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, l'autorité politique, Félix Tshisekedi dit le mot le premier de lui, n'a pas autorisé qu'il y ait une structure informelle d'attaque à l'Union sacrée. Voilà. Ce sont des dynamiques qu'on ne peut pas créer, ils savent le pourquoi par conséquent. Nous ne pouvons pas les interdire, c'est là. Mais nous leur rappelons que dans l'Union sacrée, nous avons des partis politiques, des personnalités politiques, des regroupements politiques, et des associations, et les assignés qui chargent. Personne n'a pas signé les chartes. La charte de l'Union sacrée, pardon. Le lot, la vision pour quelqu'un a dit que le président Tshisekedi serait derrière cette situation avec son cousin propre qui est lancé. Les gens ne le disent pas par rapport à la cousine, parce que son cousin a l'ami impérativement lié à raisonner que la décision n'avait pas à faire. Président. D'accord, on attribue à la chef de l'État parce que Vital Kamerhe et les autres ont touché la vision à Félix Tshisekedi. Le premier des Congolais à le donner quand le Congo retrouvé ses fatigues. Ceux qui ont cette chance, il y a Godalane Fils, la Tama, le numéro WhatsApp du chef de l'État, je permettez que je le dise, au moment de la décision, WhatsApp n'est pas la nation, le chef de l'État a écrit pour un Congo retrouvé. Il a toujours eu ses rêves au grand, il y a Godalane un Congo retrouvé. Donc ce sont des bonnes initiatives pour interdire Bangote. Mais cela n'impacte pas la dislocation à l'Union sacrée. Vous ne croyez pas que, parce que déjà le MRC n'est pas impliqué, regroupement Moussoussou, est-ce qu'ils allaient stratégie, je vais poser la question de savoir positionnement, est-ce qu'ils allaient pour dire qu'ils veulent contrôler les institutions? Autrement, parce que quelqu'un a dit que les enjeux ne se limitent pas nécessairement, l'un de ses internes a parlé, dit. En Assemblée nationale. Écoutez, cette nouvelle alliance, ils ont qu'elle pour se positionner pour un contrôle. Il y a au moins 8 provinces, puis possibilité à faire élire par gouverneur, puis par président de l'Assemblée provinciale. Nous n'allons pas partir dans les Toïboui. Dans l'écho, tu as dit clairement que, et d'abord, ils ont un devoir de rédivabilité. La Union sacrée, pas en tant que PC, mais en tant que INC pour Victor Kamerhe et Laurent Nguini, en tant que CD pour Jean-Michel Moussa et en tant qu'autres.
ce n'est pas pour vendre le parce qu'on ne peut pas tenir aux gens d'avoir des ambitions en politique. Mais cette démarche, tu peux dire que qualifier en gros, il y a gourmandisme au exagéré. Ou Marabolié s'est dessiné parce qu'il y a de certains de ces postes-là, il a dit, il faut que dans la pouvoir discussionnelle du chef d'État, pas d'abord en tant que Pénapé, mais en tant que chef de la famille Union Sacrée. Est-ce qu'elle a, par exemple, Bazo visé gouvernement, chef au gouvernement, parce qu'il faut dire que Caméré, dans une des interviews accordées, dit l'objectif est de renforcer, j'aimerais que vous réalisiez, terminé par là, Serge Taboko a réagi, il dit. L'objectif, il y a Oyo Kobenga Kezali, le coup la gourmandise, Malobi, c'est de ramener la cohésion, renforcer la cohésion et ramener la discipline au sein de la famille politique du président. Un de ses proches, même des Camerounais, j'ai dit tout à l'heure, Serafi a dit, il défend l'idée que l'Union sacrée et la plateforme présidentielle conçue avant les échéances électorales est un fourre-tout. J'aimerais que vous réalisiez par là, parce qu'on parlait de Iboni, mais l'Union sacrée aussi a tout ramené. On ne sait pas contrôler qui fait quoi aujourd'hui. Les plateformes, on voit la mission est créée où les gens se sont réunis autour d'une vision. Et Kobima, il y a une charte. Non. Les choses sont bien structurées. Il y a la haute autorité politique, il y a le Congrès, il y a le président, et puis il y a le secrétariat permanent. Donc, c'est bien structuré. Mais si nos frères pensent qu'ils vont dire, mais pour avoir des ambitions, il n'y a pas de cause à la tenue, ça fait les choses sont bien structurées. Merci. Et je voudrais dire, pour que cet essai, et un cause à part la tenue, ça fait, il faut la il y a un moment où on signataire, il y a chaque tenue, ça fait. Donc, le TSE n'a pas signé la chaque tenue. Au regard de la position d'ailleurs, ce qui est aujourd'hui des personnalités à Union Sacrée Lelo, Union Sacrée Caméré, Union Sacrée Boussa, Union Sacrée. Guilano, parce qu'il faut dire que le groupe n'a pas créé bon abango. Hein. Ce sont des associations de dynamique pour la date de Sangana. Alors on peut dire aujourd'hui que sont tous satisfaits dans le studio Lelo, en vous entendre parler, on constate qu'il y a une division au sein de l'Union Sacrée. Il n'y a pas une division au sein de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont des ambitions, nous ne pouvons pas les empêcher cela. Merci. Mais les choses sont bien organisées. Le vilain de l'Union Sacrée est vivant. Il n'a pas donné un mot de pour que d'appeler que la structure informelle n'a qu'être pour sa paix aux amis, bien structuré, j'ai visé les lits et n'a pas répété. Deco Serge Taboko, vous êtes prêt parce que déjà là, bon, quand vous venez de voir qu'il y a des fois possible que moi, Babin, après Binobo, se retrouver, moi, le quoi, mon solo, et comme aussi là, vous qui êtes député, vous avez fait un niveau à SID, quelqu'un a dit même qu'il est fou. Gouvernement. Est-ce que vous ne vous voyez pas déjà bénéficier que des miettes, ce qui est au baké, l'ingé de cause, l'année à l'oubiawa, gourmandisme, c'est comme ça que vous l'avez appelé, hein? Exagéré. Bande de ou déjà pas de gâteau à miner, ce qui va bien à bino lobby. Pourquoi y avoir ça n'a pas de comment le ministère à pêcher les bases, mais là, le ministère a bien dit. C'est un ministère que nous avions toujours gardé pour M. Fayou, M. Kaye, parce qu'il est doué pour la pêche et l'élevage. Ndeko, Serge Taboko. Bon, merci Ndeko Bonner, Webi qui va congolais, Bélé Bazakan estime Nayo. Ngaye Zaliko Sengaka Nayo, au Sala, Ndeko Bandeko Sala depuis Kala, vous êtes libre à poser question, non, que c'est possible de participer au gouvernement et non, qu'on a vous allez me mettre mal à l'aise. On parle de la question, on n'a pas assez de temps. Je vous mets au défi. Attendez, Andeko Félix. Attendez, dans le lancé. Dans le bibou et pasteur Serge. Ce que vous foutez, pas de vous, madame, t'es. Au lieu de dire que C'est pourquoi je te dis que je te mets au défi si vous avez l'Union Sacrée, Zonga, même Ndeko Félix, Nabo tout Bazala Kabouya.
Zonga va 2018, Moutan la soit à studio, Biro n'a pas sa manière de travailler, le coup à Martin Fang. Il a des bureaux, il y a un bacano, il a de la grande personnalité. Il y a des débats là, c'est comme si vous voulez un peu vous amener dans ce terrain-là. Sincèrement parlant, ceux qui me comptent institution, vous avez un solo. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la politique, c'est pas tout le monde qui est la politique, qui est dans les autres. Il y a des Abi, vous avez un message. Le courant, vous avez un message. Vous soutenez le mensonge, vous soutenez Moïse. Vous soutenez quelqu'un, entre guillemets, président de la République, qui n'a pas un salaire. Mais il donne la dîme comment? Vous avez fait un message. Puis c'est un message à respecter. Il donne sa dîme comment? Il n'a pas un salaire. Le gros, vous soutenez le tribalisme, la fanatisme. Mais si vous avez vraiment fait un message, vous soutenez ma valeur, ou vous vraiment malheureux. Tu ne peux pas soutenir le Félix. Alors, je vais vous parler rapidement avant d'aller à Moutoura Nayo, à cause de cette capitale, à Marbilo, qui n'a pas de conseil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand on va aller dans la classe, on va aller à Zanangoana, on va aller à Moutoura qui passe pas comme à Moutoura. Félix Azalarate, on va pas à Moutoura, et puis on sait que d'ici là, on va à l'éternelité. Et puis, on va aller à Moutoura pour mettre ça dans la flatterie. Mais c'est que le Koboum Samaël était nié Babou. Quand vous passez dans un média, vous avez la confusion dans la légitimité sociologique, vous avez la confusion dans la fonction à un chef de l'État. Aux autres, bah, que le chef de l'État n'a pas donné, Félix n'a pas donné un mot d'ordre à un groupe de gens et il ne sait pas quelle est sa plateforme. Il oublie qu'il y a l'article 96 ou 96 de la Constitution qui interdit à un chef de l'État, à un groupe démocratique du Congo, de se mixer dans tout ce qui est parti, fait privé, pour la partie politique. Vous comprenez? Mais tout ça à cause de la cupidité, à cause de la médiocrité, à Mongo, mais à bon seul même, Makamouana Nyos. Alors Félix a pensé qu'il y a un mot d'ordre d'État qui est pour ça, dit non, quoi, tout ça, ainsi de suite. Et en dehors de ça, moi je n'entre pas dans leur débat parce que nous considérons que c'est un marché de dip. Mais vous êtes prêt à faire ça. Nous sommes prêts à faire ça. Nous sommes prêts à faire ça. Ça ne regarde pas les Gabonais. Quand on a avancé, j'ai déjà compris ta question. Pasteur Serge, parce que vous serez hors institution. Vous n'aurez pas une source de revenus. C'est là où je vous pose. Parce qu'on a travaillé pendant 5 ans, on n'avait pas de poche, de dépenses. Faoula a fait des tournées ici dans toute la République pendant 5 ans. A quel moment la Tika par la Mboujima, à Zodim Mbana. Mais c'est quand on est au Mbana. Il était député. Ah, mais c'est aussi. Au moins, il se souvient la paix de Maëlle Naï. Tant que vous avez déposé le dossier Naïo, Nambo Kanabiso comme candidat député, vous avez celui qu'on appelle Cyprien, premier Cyprien, deuxième Cyprien. Ceux qui ont décidé aujourd'hui qu'il y en a pour chez ZT, nous avons appelé ça les années. C'est mon seul et bimakaté. Les Bissandeko, nous avons appelé ça les années. Nous avons appelé ça les années. Dans la pratique, les députés n'ont pas pris 10% de salaire dans le bango. Il y a des vous imaginez que ceux qui 10%. Mais monsieur, je ne sais pas. Allez-y, Pasteur Serge. Bien sûr, à l'époque, moi, je n'ai pas fait une position active, mais j'étais dans l'opposition depuis des années. Bango Baki n'a pouvoir, si tout mentor naï. Nazor a appelé pour faire ce qu'il y a dans l'air. Tant que c'est ce qu'il a couvert, il a organisé des démarches dans rassemblement. Marche à Liboso, à Kimi, à Koti, en avion, à Gaza, qui n'a pas fait une bande en boucle. Marche à Nisalemate. Et Batoua Dimaka, qui est échoué. Deuxième marche, nous avons un policier, on a qui sont les longues dans la zone, dans la zone, Kabila, nous avons un zone, nous avons une ville, nous avons une bombe. Alors, il y a une déclaration, il y a un bloc qui est étouffé, tout ça, il marche.
Si vous parlez de la Cour, il dépêche, c'est la gare ma case, c'est la gare ma case. Je vous dis ici, je cite, Félix a organisé qui démarche. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Mathieu Fayou. Et tu sais ce que je rappelle encore, on ne pas ce que on va donner le coup pour ça. Tu sais ce que la salle marche à sous-patambourage, je crois, dans le début d'année 90. Mais si Abdel Eya, si il n'a pas fait perdre son âme, et tu sais ce que n'a jamais été s'il arrive pour faire des marches. Mais maintenant, le travail là, il y a la marche, notamment, Mathieu Fayou, Jacques-Paul Le Bon, et les autres là, nous on est mobilisés, on a un mot, ça veut dire qu'on a un régime à camion. Il y a mis ça. Les 15 et les 19 janvier, si vous avez le temps de répliquer, s'il vous plaît, si vous avez suivi ce prince Kinana, parce qu'il a dit, une minute pour résumer votre réponse. S'il vous plaît, pasteur Serge, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Si vous voulez rappeler l'historique, vous oubliez que... Prenez les points, vous répliquez à deux mondes de l'équipe. Il a parlé de toutes les histoires qui se passent. Merci beaucoup, mais j'ai rappelé, c'est ma cour. Ça nous prend tous les temps. C'est le dernier mot pour... Allez-y, c'est que les 15, les 19 janvier 2015, il est parmi les grands leaders avec la Kabila, parce qu'il a voulu conditionner l'élection, il n'a recensement. À l'époque, là, il dépense, il y a avec la Kabila, il dépense, il a négocié avec Kabila en Italie et en Espagne. À l'époque, le secrétaire général personnel, c'est Bruno Mabou. Fayou a risqué sa vie ici, il a fait reculer Kabila ici, donc c'est l'idée que tu ne peux pas venir faire des avantages, des incantations. Et pour terminer la sujet là, sauf que Fayou a représenté rien, rien. Et que Félix a obtenu plus les suffrages pour ce que vous avez imaginé dans notre vie là. Mais le militaire a tourné dans la balati, ça veut dire que tu es un compatriote congolais qui a reçu du bar, la cassette est dans le jean. Mais tourné ici, on a arrêté les gens là-bas dans la cassette, on a lâché d'abisson. Pourquoi on a tourné sur la soldat? Parce qu'il ne représente rien. Pour répondre à ta question, j'ai dit ceci, nous on ne participera pas dans cette bêtise. Parce que pour nous, nous considérons qu'il n'y avait pas élection. Donc, la carte a dit l'angle, c'est illogique même. Comment on fait beaucoup quand nous avons la J'ai suivi le prince Epengui dire que s'il faudrait discuter, il faudrait pas nous bénir quand il y a un chaos électoral. Mais je crois que c'est clair. Mais les dialogues, le dialogue, plus souvent, par rapport à l'Obino, mais à vous dire ça, justement, on a partagé à gâteau. Parler sur le processus. Pourquoi nous sommes arrivés là? Et nous, on a même l'esprit, le 10 mai 2019, après le chaos électoral, après la mise de prise entre Guéné et le professeur Kabila, nous avons demandé. Payer un cadre pour faire les réformes. C'est-à-dire ici, vous on pas fait à part. Même la présence de Kabila et les autres, c'est pas pour dire qu'il va que nous soyons quand. Parce que nous, on peut parler, comment on va parler parce que ça nous quitte. Alors, je vais rappeler. Merci beaucoup. Merci. Merci, pasteur. Vous avez eu 7 minutes. D'abord, je suis seul. Ils sont en parlent presque la même chose. Merci beaucoup pour comprendre. Partez pour un Congo retrouvé. Pisseur de Paulin Poutou. Je vais rappeler rapidement le résumé d'intervention du président Vital Kamerhe. Voilà. Puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux. Plus de 700 députés provinciaux. Est-ce que nous avons évolué sans créer la cohésion au sein de l'union sacrée de la nation? Voilà. Nous disons non. Ce que nous venons de faire, c'est un but. C'est pour renforcer la cohésion au sein de l'union sacrée. Presque non, justement, c'est pour vous répondre par rapport à la position de Vital Kamerhe. Ramener la discipline pour que nous tous sachons que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur, a fait savoir Vital Kamerhe.
Le président de la République ayant réussi la légitimité à l'issue des élections à travers des urnes, il a désormais, nous l'avons vu, le jour de la prestation de serment, la légitimité populaire, vous l'avez rappelé. Nous devons faire en sorte que nous n'épargnons aucun effort pour que les idées du présent se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Est-ce que, au sein de l'UDPS, vous vous voyez fragilisé stratégiquement par Vital Kamerhe? Vital Kamerhe qui réunit autour de lui les lots Azo Sangissa. Vous l'avez suivi, c'est vanté. Ce Sangissi, Makamoué, Kokendena, Batouyon, ce Bakouya Lobby. En tout cas, Bakozana, la force pour le cas autour de Kanissa. C'est vrai que l'UDPS a pris un côté de la loi, Makamouana, au-delà de la position de Gustin Kabouya. Merci pour la moutouna. Nabanzi, bisoyi de PES, toza parti démocratique. Pour preuve, pour l'andaka, et ça, tina ba membre na biso msusu ya IDPS, ou ba finga quand même secrétaire général, na tika lo kozo a décision ko benga na ba mona parti te. Pour preuve, et ça, ba msusu, ba mona ka peut-être même position ya mkozambo, et ça, la ba normal te, ba tika lo benga na ba mona parti te. Mais du coup, je ne pense pas qu'il y a un deuxième parti dans le Congo où il y a un acte qui est le cas. Au sein de l'IDPS, c'est libre pensée, libre réflexion et libre positionnement et prise de position. Ils ont même comportement où ils ont même une peine à l'union sacrée. Il fallait que les Congolais comprennent que Jésus les Kalelo et Zanine et Zabitumba et Mokomi Balé ou Bazolinga qui se retrouvaient pour tout l'accès qui est bisonné. Mais c'est connu de tous. Les réalités ont toujours couru les lois, que ce soit à l'opposition, que ce soit à l'union sacrée, et la réalité constitutionnelle. Tout ça, la méga plateforme, et l'union sacrée. Na kata union sacrée, tous ont un regroupement politique. Tous ont un parti politique. Mais ce qui est que deux, trois personnes, bonne chance à eux, nous les laissons, réfléchir, la carte na bango ning bazo sala. C'est pourquoi on a qui, secrétaire général, président Jean-Pierre Mbemba, président Mbosso, président Bahati, va réfléchir, continuer avec la dynamique. Est-ce que vous pensez que Ndeko Kinshasa, l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Vous parlez de la, comment vous l'avez appelé, gourmandise. J'ai pas appuyé ce qu'il a dit, ce n'est pas. Ce sont des ambitions démesurées politiques. Ils ont des ambitions, ils ont démesurées, mais parce que là, on a. Pour nani était bakutana ki basala ke lokwana avant tout qu'un élection. Comme ce balobi c'est qu'il y a Zana Sima par le simple fait que son cousin propre Zana Kati et que cousin a eu kozala na Kati exacte que chef de l'État lobi a ibisi Vital Kamerhe na ba homme ce soir na ke bosala le hotel. Bien déjà président Zana Sima monte. Je ne pense pas. Et ça va couper. Je ne confirme pas. Après si union sacrée mon Congo, quelqu'un a dit comme ça. Mais qui continue, oh, en plus, bah, on a qui c'est bon, bah, quoi, ça, la paix dynamique, là, bah, on va, quoi, ça, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce qu'à l'Union sacrée, nous avons qu'une seule vision. À l'Union sacrée, il y a des structures qui chapeautent l'Union sacrée. Hormis les chefs de l'État, tous les présidents, tous les secrétariats, tout. Et nous tournons dans la place, nous avons un salam salam.
Et je ne pense pas que le fait de créer cette structure, je peux dire oui, c'est un regroupement qui est parallèle, qui n'a aucune bénédiction et agneau sacré, que ce soit l'initiateur ou membre. Pourquoi avant de faire cela, il n'a pas contacté Jean-Pierre Bemba, il n'a pas contacté Augustin Kabouya, il n'a pas contacté les autres pour créer cette dynamique, ou soit donner sa vision, donner ce qu'il lui pensait pour renforcer l'agneau sacré. Il l'a fait avec un groupe de gens. Alors, selon vous... Vous pensez que le fait de créer cela, faire toute cette carte, ça pourra changer l'image de la gestion? Est-ce que... Tous ces gens-là, ils occupent des fonctions au sein du gouvernement ou soit au Parlement. Mais leur bilan reflète et représente quoi? Vous savez, le chef de l'État l'a dit. La réaction, la réaction à Augustin Kabouya, c'est politique ou diplomatique autrement? Non, ce n'est pas une réaction diplomatique. Il a donné une réponse claire. Il a dit, nous ne pouvons pas barrer route à quelqu'un de penser ou soit de créer une structure sur le levé. On peut mais parler de la division au sein de l'Union sacrée. Non, division, ceux qui visent la caméra n'ont pas créé division. Tant mieux. Et bonne chance à lui et son goût. Vous savez une chose, tout ça va les miqueter. La loi n'a pas menti, la loi ne se contredit pas. Parce qu'on veut, par exemple, identifier la majorité, et vous voulez vous réunir 4-5 personnes. Non, identifier, je parle d'identifier. Non, justement, ils ont anticipé. Ils veulent anticiper pour présenter que voilà, nous avons autant et nous voulons mériter. Ça peut être ça leur logique. Merci. Je ne suis pas dans leur tête, mais ça peut être comme ça leur logique. Merci. Mais ça sera faux et archifaux parce que les listes qui sont transmises des partis ou des regroupements politiques qui ont gagné des sièges, qui ont refait des sièges, il n'y a pas PCR. On ne pourra pas identifier un regroupement politique ou une structure au nom du PCR. Non, on va identifier l'IDPS, on va identifier AFDC Allié, on va identifier MLC, on va identifier tout. Voilà les regroupements officiellement connus et reconnus par la loi. Oui, mais quand il y a le roi de Colombia, il y a un regroupement à fait par le simple fait et aussi par la tautologie que Ezalaki n'a majorité. Donc comment ça, Ezalaki enregistré tel enregistré pour le ministère de l'Intérieur. C'est pas le problème de la élection. Maintenant, je demande à Makoya pour créer un formateur, c'est ça comme ça qu'on appelle. L'informateur. Il viendra, il va identifier leur. Il va identifier les structures. Il va d'abord identifier la majorité. La majorité. Mais c'est sûr va être identifié. Est-ce qu'il va faciliter et acheter? On ne sait pas comprendre. Pour répondre à votre question, merci, je remercie mon frère de sa sagesse et de sa réponse. Paulin Poutou, merci vraiment. Et ce sont de telles têtes qu'on a besoin de la communication pour la dépendance de Colo. Merci vraiment. Mais il faudrait dire que cette structure ne sera pas identifiée par l'informateur. Parce qu'elle reste une structure non ou extra-parlementaire. Elle n'a pas concouru aux élections. Kamere est parti aux élections sous ticket INCA et AVK 2028. Jean-Lucien Moussa, le ministre, est parti sous ticket pour. Tony Kankouchikou est parti sous ticket. Moussa est parti sous ticket à SRD. Le conseil de l'État est parti sous ticket AFDCA. L'IDPS est parti sous ticket IDPS. Tu sais qui dit. Donc, l'informateur viendra identifier la majorité ou les regroupements ayant le plus de députés selon les listes reconnues par le ministre de l'Intérieur, ceux qui ont concouru aux élections, pour devenir en tant que parti politique ou devenir en tant que regroupement politique. Là, c'est clair, il faut que le développement. Mais même dans le groupe, ça y est en gros. Il y a un peu de temps, il y a un député de l'Intérieur. Non, non, non. Personne ne concourra qui n'a pas eu ma Ponami et la Ponami de la Maroc qui n'est de ce côté-là. Mais ils sont libres de le faire. Lorsque vous me dites ici que nous avons lobby, c'était pour question de discipline, de restructurer l'Union sacrée. Le premier occupe une fonction sur l'Union sacrée. Il est membre du présidium. Son parti, INC, est signataire de la charte via le secrétaire général président Aïe de son parti, Benita Balaire.
Donc, la proposition pour les amis à un niveau là, PCE, ils pouvaient mieux, au numéro, on avait mieux la présidente pour la seule avoir appartient. On l'a toujours souvent dirigé par question parce qu'on n'a pas un président du Congrès. Les coordinateurs, les mieux sacrés, ils pouvaient mieux apporter la demande pour avoir constaté toute la régularité. Et puis on avait amené ça auprès de la haute autorité politique. Il y a même gagné du Genève que quoi vous mettez là-haut en haut. Et puis on avait constaté pour arranger. Pourquoi j'ai salué la démarche du secrétaire général Augustin Kabouya Barabouté? Parce que Augustin Kabouya s'est reconnu être d'abord le secrétaire général de la famille politique du président de la République, UDPS, mais il est membre du président. Il est allé voir ce père, monsieur le membre du président, d'être membre du président, même d'être membre du président, qui a accueilli tout le monde à Bango, pour réfléchir par rapport à ce courant, à ce vent qui est en train de venir. Parce que ce vent ne peut pas nous diviser. Et aussi, si le frère veut s'écarter de la logique de la structure de la Ligue sacrée, c'est une démarche suicidaire pour la Bango. Pourquoi? L'Union sacrée compte près de 500 partis politiques. Et là, je profite pour répondre à Tambo Kouya Lobi Kenan, l'article 6 de la Constitution interdit au chef de l'État d'appartenir à un regroupement politique ou à un parti politique. Je lui rappelle que l'Union sacrée n'est pas seulement une plateforme politique, mais elle est aussi une plateforme de gouvernance, comme le fut MP à l'époque de Kabila, lorsqu'il composa avec le fait en tant que disait la. Mais il est coordonnateur de la majorité présidentielle. Quoi? Il est coordonnateur de la majorité. Mais c'est qu'il n'était pas aussi coordonnateur de la majorité. C'est le biforce de ma orientation. Je cite, même à l'époque de Kabila, il donnait à la même époque de l'orientation. Pourquoi? Parce qu'il appelait ça majorité présidentielle. Merci. Ah, mais majorité présidentielle. Donc, ce qui signifie, celui qui aurait l'Union sacrée jusqu'à présent, c'est Christophe Mbosso-Kouyatoma, président du Congrès. Merci. Ah, lui, ce n'est pas la même chose. Donc, vous pensez que les années d'hostilité Kabila a lancé? Ce sont des hostilités, mais qui savaient être suicidaires pour aller. Pourquoi? Dans un ensemble de près de 500 ans. Est-ce que ce n'est pas normal qu'après Bitin, justement, après que le président a le pouvoir, il a eu un poste, justement, un siège dans niveau où il y a une élection? Est-ce que ce n'est pas normal que les lots basent exprimer pour ça pour gouverner? Le problème, c'est quoi? Vu que l'homme est insatiable à tomber la matée, on connaît VK, c'est un animal politique. Un félin. Un félin qui a toujours eu cet appétit de manger. Mais à mon avis, les humains ne lui ont pas favorisé. Alors il faudrait contourner cette démarche. Il sait qu'il n'est pas été assez parmi. Peut-être le 5 ou les 4 premiers, on va rien avoir aidé. Alors, il veut aller composer la version d'ensemble pour venir à la. C'est carrément illégal. Merci. Le gouvernement a retenu que ton autre parce que personne n'a pas concouru. Ils ont concerné une autre et que les cas. Pour revenir à Oyo Lobby, vous après composer le gouvernement, mais inutile de vous poser la question, c'est ça? Bon, non, c'est-à-dire, biso logique, ils attendent les copains à l'obaki logique, ils allient que nous sommes des pacifistes. Comme nous avons demandé l'annulation des élections, je crois, le même jour-là, quand on a constaté que moins de 5% des bureaux de vote ont été ouverts à partir à 6 heures, en violation de l'article 52 de la loi électorale, qui stipule que les élections à République de vote à République démocratique du Congo commencent de 6 heures à 17 heures, il y a eu un certain nombre de candidats présidents de la République qui ont signé un communiqué conjoint en demandant l'annulation. Là, lorsque vous demandez l'annulation des élections pour la réorganisation, vous avez besoin de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi moi-même, le prince Peng, il a fait allusion à Kabila, les autres. Je ne pense pas que Peng est suivi que Kabila n'a pas fait ses postes à pouvoir. C'est Kabila, voyez. N'en gagne pas juste, un peu d'esprit. Tu vas venir, voyez. Il a parlé donc, ça c'est sur le plateforme, il a parlé juste pour dire qu'on a besoin de toutes les parties, parce que les élections c'est une affaire de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire c'est une affaire de Congolais, ici on fait allusion à l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire... Moi je ne vois pas à quelle magie, mon taquet, il dit, ma pronominé, c'est une élection, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié, ni.